Les amis, comme vous pouvez le voir, il y a ma grand-mère qui fait que de nous suivre, mais bouge de là! Oh mais vas-y, mais bouge de là! J'ai envie de te manger! On veut pas te voir, hein. What? Grandi, oh, dépêche-toi là, cours! Je rêve ou elle a grandi? Ouais! What? Elle a un bug système ou comment ça? Je crois qu'il y a un bug système, regarde, elle fait que de grandir! Ah, cours! Elle est juste derrière! Cours vite! What? Mais wesh, qu'est-ce qui se passe avec sa taille? Elle est gigantesque! Attends, vas-y, rentre, ferme les portes, Chase, pourquoi les portes ferment pas, Chase? Vite, Chase, fais quelque chose! C'est bon, j'ai fermé les portes. Oh non, Enzo, il a fermé l'extérieur. Vite, ouf, super, vite. Oh mais tes portes, ils fonctionnent pas. Ah bien, Enzo. Ok, c'est bon. Vas-y, ferme. Ok, c'est bon, Nickel. Ouf. Bon, du coup, Chase, il faudrait quand même que tu répares tes portes, sérieusement. Je suis désolé. Oh, j'étais en train de faire ma partie de billard, je suis en train de voir s'il y avait toutes les billes. Et puis là, je vois qui? Je vois vous deux. Bah, mais qu'est-ce qui se passe en fait? T'as pas vu à l'extérieur? Il y a ma grand-mère qui est devenue complètement folle. Et elle est super grande. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, je sais pas du tout. T'as pas une idée? T'as pas une petite potion pour qu'elle redevienne normale? Ah, mais elle est petite là, la mère. C'est bon là, je pense. Laisse-moi aller voir. Je peux aller voir? Non, mais. Elle est petite. Elle est devenue géante, Rentre. Oh, elle est gigantesque. Ouais, bon, allez, c'est quoi, on va voir si Chase, il aurait pas quelque chose, hop, allez, c'est parti. Attends, vas-y, on monte, on va tout en haut. On va essayer de lui le communiquer, avec la folle. Quoi, qu'est-ce qui est cassé, Chase? Mets-toi, elle est cassée, et que t'es trop. C'est pas grave. Ouais, tranquille. Elle est où? Bah attends, mais où est-ce qu'il est, Chase? On est plus haut qu'elle, on est plus haut que toi, gnagnagna. Attends, on va monter pour voir où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là. On est plus haute que toi. Elle est. Bah, je l'avais vue juste ici. Elle est où? Elle est passée où? Là. Elle est où? Elle est là. Ok, c'est bon, j'ai vu. Ok, bouge plus. Bon. Eh, madame la poche. Wow. Attends. Mais mamie, pourquoi tu t'en prends à nous, sérieusement? Ah, j'ai faim. Je veux du jus de chez. Tu veux du jus de chinois? Quand même, nous, on a rien fait. Wow, attendez, attendez, rentrez à l'intérieur. Vite, rentre. Ouais, on va juste se cacher. Ah, c'est bon, elle est descendue. Hop, venez. On se cache à l'intérieur. Vas-y, où est-ce que t'es, Enzo? Au-dessus, mais. Ouais. Vas-y, viens, je t'ai dit, on se cache à l'intérieur. Cassez-vous, c'est tout. Je vais la détruire. Bon, non, Enzo ou Chase, vous avez pas une solution? Moi j'ai pas de solution. Je sais. Ouais? Moi je sais, car je suis trop intelligent. Non, c'est pas vrai. Pour de vrai, je pense que on devrait parler avec elle. Et après qu'on a parlé avec elle. Bah attends. Oh, ça me fait trop rire de voir sa tête. Elle est juste ici, pousse-toi, attends, je vais parler avec elle, pousse-toi. Vu que c'est ma grand-mère. Attends. Mamie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu deviens géante comme ça et tu t'en prends à nous en fait? J'ai faim! Il me manque, j'ai faim, j'ai besoin de nourriture! Bah si t'as faim, va manger quelqu'un d'autre, pourquoi tu veux manger moi? Non, c'est toi que j'ai besoin de manger! Non, mais non. Mais en plus, t'es moche! Oui, clairement. D'ailleurs, les amis, mettez une note de la beauté de ma mamie. Voilà, sur 10. Moi, je lui mets un vrai 0 sur 10. Hein. Et vous? Non. Et toi, Enzo, tu lui mets quoi? Elle fait vibrer la tour, là. Crée-moi, elle fait vibrer la tour. Tu lui mets un combien? Et moi, je lui mets. Tu veux, observe, mais je lui mets sur 20. Tais-toi, Chase. Moi, je lui mets. Tais-toi. Moi, je lui mets un moins 20 sur. Sur 10. Ne te retourne pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, effectivement, ouais, pour de vrai, moi je le mets à moins 20. Moins 20 sur 20. À moins 40 sur 20. À moins 1000. Oui, c'est bon, j'ai compris. Il met moins 5 mégas. Ouais, clairement, ok. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, Chase, moi je pense avoir une idée. Chase, toi tu attires ma grand-mère bien loin d'ici. Et Enzo et moi, on va partir.
Ouais, on va se mettre... ouais, je pense juste ici. Et on va creuser un gros trou pour qu'elle tombe à l'intérieur, vu qu'on n'a pas de potion. Bonne idée. Mais je crois qu'elle est partie. Regarde, elle est plus... T'inquiète pas, Oh, trop bien. Oh, comment moi je suis, j'ai l'impression que je regarde l'horizon et qu'on va sauver le monde. Elle doit sûrement être dans les parages, t'inquiète pas. Hé, la vieille, t'es où? Dis-moi, Chase, t'aurais pas une machine pour creuser? Oui, bien sûr. Attends, laisse-moi voir. Dans mes poches, j'en ai tout. Vas-y, vas-y. Okay, ah bon alors, vas-y, donne. Oh, elle est là. Ouais, elle est juste ici. Donne un manning trying. Ouais. Ok. Bah, dans le gros trou, dans le gros trou. Bah, du coup, Enzo, je te laisse récupérer ça et tous les deux, vous allez me suivre. Vas-y, descendez. Vas-y, j'arrive. Vite, j'arrive. C'est parti, on descend, les amis. Et du coup, Chase va servir d'appât. Et d'ailleurs, si vous voulez pas que Chase meure dans cette vidéo, abonnez-vous tout de suite et likez cette vidéo. Allez. Il fait une bêtise. Oula. Bon. Il fait une bêtise. Chase, t'es prêt à courir? C'est bon, elle est debout. T'es prêt à courir de, de toute ta force? Allez, oui, Chase, allez, vas-y, c'est parti. Vas-y, fonce. Allez, Chase. Ok. Attends. On attend que ma grand-mère suit Chase. Où est-ce qu'elle est? Viens, ouais, vas-y, viens dans le trou des animaux frères. Viens dans la moche. Suis-moi. Où est-ce qu'elle est? La moche. Gros animaux frères. Elle doit être là-bas. Viens, la mamie. Chase, marche. Oh, ouais, essaye de pas mourir. Ok, attends. Je crois que c'est bon. Y'a ma mamie. Y'a ma mamie qui est en train de suivre Chase. Tu vas mourir. Ok, attends. On attend qu'elle parte. Ok, c'est bon, elle est partie. Bon, vas-y. Tu viens avec moi, Enzo? Bah oui, mais ça serait bien d'arrêter de me taper, s'il te plaît. Bah, excuse-moi, c'est juste un réflexe. Bon, donc les amis, bah, moi aussi j'ai un réflexe aussi. Hein. On va être tranquille de ce côté et on va créer un gigatrou. Donc il faudrait. Oh, c'est ma base, ouais. C'est bien, félicitations. Faudrait créer un trou de combien de mètres approximativement, Enzo? Oh mon dieu, mais tu me poses une colle. Oh, elle est. Oh mon dieu, en plus j'ai le hockey, donc super. Elle est immense. Qui dit immense dit. Énorme trou. Oh non, je suis pas en espéromat. Bah, tu sais quoi? On va essayer de. Attends. Viens, d'abord. Ouais, ici, alors passe-moi la machine, comme ça je t'aide aussi. J'en ai qu'une seule. Bah, toi tu creuses à la main, vas-y, envoie la machine. Vas-y, tiens. Vas-y, tu m'envoies la machine. Tiens, hop, voilà. Ok, parfait. Du coup, là j'ai la machine pour creuser. Tiens. C'est quoi ça? C'est un chargeur? C'est les munitions. Moi, c'est les munitions. Ok, ça marche, parfait. Allez, les amis, c'est parti, on va faire un gigatrou, let's go. Attends, je crois que. Ok. Vas-y, tu. Je te conseille de bouger, c'est un conseil d'ami, hein. Qui, moi? Reste pas dans le trou, reste pas, sors du trou. Pourquoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'inquiète, c'est un conseil d'ami, sors du trou. Tu vas mettre une bombe nucléaire ou quoi? Non. Attends, t'es en train de faire quoi là? T'es en train de faire quoi? 1, 2, 3, la magie. Wouah, c'est quoi ce trou? Comment t'as fait ça, Enzo? Bah, la hache magique. La hache magique, mais oui, t'as la fameuse hache magique. Ok, c'est bien, bah vas-y, continue. Par contre, il faut faire encore un plus grand trou. J'espère que t'as pas failli mourir, hein. Non, pousse-toi, mais... pousse-toi. Oui, attends, c'est bon. Tiens-moi. Ok. Fais gaffe, car elle est trop dangereuse. Ah. Si on lui dit de faire un trou à quel endroit, elle va le faire, mais d'ici peu. Hein. Je crois qu'il y a Chase qui arrive. Ok, il y a Chase qui va venir nous aider. Pousse-toi, Chase, pour toi. Ouais, c'est bon. Je suis bien reculé. Par contre, du coup, Enzo, faudrait que tu fasses un trou sur la longueur. Fais un trou sur la longueur. T'es prêt? Pousse-toi, ouais. C'est bon. Yo, le petit chien. Ouais. Encore. Vas-y, pousse-toi. Parce que ce qu'on va faire, c'est que quand elle va tomber dans le trou, forcément, elle va se casser le pied. Pousse-toi, Tu sais, elle va pouvoir s'allonger, quoi. Oui, mais pousse-toi, vite. C'est bon, ça va, t'inquiète. Recule. Bah, je recule. Ok, c'est bon, là. Oui. Wow, ok, là, je crois qu'on est good, là, non? Ouais, mais il y a de l'eau, du coup, on va mettre... Ouais. Ok. Non. Et est-ce que t'aurais pas des lianes comme ça, on pourra l'attacher lorsqu'elle sera tout en bas, tu vois? Oh ouais, mais là tu me poses une colle, Chase, quand même. Ouais, bah tu sais, forcément on va l'allonger ici et après on va la torturer et tout, quoi. Bah oui, pour de vrai, ouais, c'est pas mal. Et on va lui donner également une petite potion pour qu'elle redevienne normale. Ouais, mais ça faudra bosser à la maison. Et ça, pour l'instant, j'ai pas bossé dedans. Donc voilà. Les amis, regardez ce qu'on a fait. On a fait un énorme trou. Donc là, c'est sûr que ça passera normalement. Peut-être. Ouais.
Ouais, alors Enzo, par contre, il est vraiment tout en bas. Donc moi, de mon côté, bon, j'ai presque servi à rien. Je pense qu'on est good. Disney. Ouais. Faut que je t'envoie un truc à propos de la hache magique. Ouais. Quand on y abuse trop de son pouvoir, il se peut que la personne qui l'utilise devient un peu des conséquences qui suivent. C'est-à-dire. Oula. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oula, tu t'es transformé en héros Brian Enzo ou quoi là? Non, t'inquiète. Bah oui. Pour l'instant, je vois clair. Bon. Bon. Allez, du coup, Dieu, mais il mange le trou. Du coup, Chase, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attirer ma grand-mère jusqu'ici, ok? Ok, je reviens. Allez, vas-y, attire-la et toi, Enzo, est-ce que t'es prêt à mettre les cages juste au-dessus? Les cages? Bah oui. Ah, ouais. Voilà, attends, je prépare. Ok, vite, 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 prépare-toi parce que normalement, Chase va arriver d'ici 15 secondes. Les cages. Où est-ce qu'il est passé, Chase? Allez, ok. Oh, il y a ma grand-mère qui arrive. Regardez, on voit sa silhouette juste ici. Il est où, la petite? Il faut qu'elle tombe dans le trou. C'est bon. Ok, on a réussi, les amis. Ça fait mal. Je crois qu'elle s'est blessée. Regardez, les amis, on a réussi à enfermer ma grand-mère qui était géante dans ce énorme trou. Félicitations, Enzo, hein, t'as réussi, hein, bien joué. Super, mais est-ce que tu peux sortir juste du trou, s'il te plaît, du truc? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai préparé peut-être autre chose. Oh yes, ça a marché. Ah oui, du verre, c'est largement mieux, puisque... Par contre, t'es sûr qu'elle risque pas de se libérer avec? Mais non, je pense pas. Pour de vrai, je pense... Et que... Comment ça, tu t'y connais plus que moi, alors que c'est moi qui avais la commande? T'es malade, toi, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu vas tomber avec elle. Tu vas tomber avec elle. Oui, qu'est-ce que tu racontes? T'as rien fait dans l'histoire. Bon, arrêtez. Vous avez tous fait du bon boulot. Toi, t'as réussi à faire le trou et à enfermer ma grand-mère. Et Chase, il a réussi à faire la proie. Donc, félicitations à tous les deux, ok? Ok. Arrêtez de vous chamailler maintenant. Bon. Ouais, mais lui, il a rien fait. C'est ça qui me saoule. C'est bon. Maintenant qu'on a réussi. Tombe pas, putain. Oui. Je vais casser vos vitres. J'arrive à les casser. Non, toi, tu vas rester tout en bas. De toute façon, t'es blessé. T'as plus de pied. Tu t'es fait mal. Voilà, je sais pour toi. À présent, ce qu'il va faire, Enzo, est-ce que tu peux nous créer une petite potion pour qu'elle redevienne minuscule maintenant? Je peux faire. Comme ça, on lui jette directement sur la figure. Maintenant, tu sais, vu qu'elle était géante, bah c'était pas possible de le jeter sur la figure. Là, c'est complètement facile, tu vois. Ouais. Vas-y, je vais préparer la potion. C'est bon. Non, on va pas te libérer. Je ne plus jamais, tu sens même pas bon, j'ai pas envie de manger. Chase, toi tu restes ici, tu surveilles ma grand-mère, nous on revient, ok? Ok, je parle autant que moi. Ok, allez, à toutes. Bon, du coup, Enzo, par contre, t'aurais pas un petit truc à manger, s'il te plaît? À manger? Tiens, j'ai un steak, voilà. Ouais. Mange tout, c'est bien. Vas-y, et du coup, on va utiliser le laboratoire de Chase, et comme ça, on fait un petit truc. Ouais, je sais quoi, ça? Oula. C'est bon. Ok, bon vas-y. Là, ça rend bizarre des fois quand tu l'utilises trop. Hein. Vas-y, viens, on rentre à l'intérieur et vas-y, pose un petit laboratoire, comme ça tu crées la petite potion. Oui, il y en a un tout en haut. T'as besoin de quelque chose ou pas? Comme ça, je te ramène des ingrédients. Essaye de sudoyer ta mamie et de me ramener un petit poil de son cheveu, s'il te plaît. Ça serait super. Ok, vas-y, tu sais quoi, je vais te chercher ça. Un petit poil de son cheveu. Et ramène-moi une fleur aussi. Une fleur, oui, c'est bien. Ok, ça marche. Bon bah les amis, déjà on va commencer par une petite fleur, voilà, donc on a deux différentes fleurs, donc la rouge et la jaune. À présent, on va récupérer un échantillon d'ADN à ma grand-mère et ensuite on aura la potion pour qu'elle redevienne tout à fait normale. Allez, c'est parti. Chase, oui, est-ce qu'il y a moyen que tu descends tout en bas et que tu récupères un bout de son ADN? Ok, t'inquiète pas, ça va être fait. Allez, c'est parti. Me touche pas! Voilà, j'arrive. Ok, parfait, nickel. Vas-y, remonte. Il est trop fort, hein. C'est un chien qui vole. Ok. Faut que je retrouve, c'est ici. Tiens. Ok, ah oui, donc t'as récupéré un bout de sang. Chose. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. C'est ce qu'elle avait sur son visage. Ok, ouais, t'inquiète, c'est bon, ça passe aussi. Donc là, on a le sang de ma grand-mère et la fleur, donc je pense qu'on va pouvoir réussir à faire la potion. C'est parti, on retourne dans la tour. Est-ce que Enzo est là-haut? Je pense qu'il doit sûrement être là-haut. Ok, bon, bah, on va monter. Allez, let's go. Direction les escaliers, c'est parti. On monte. Est-ce qu'il est ici? Non, il n'est pas ici, il faut encore monter.
Ah, je crois que j'entends des bruits. Je pense que ça provient d'ici. Non plus. Ah, mais il est vraiment tout en haut, en fait. Enzo ? T'es où, Enzo ? Ah oui, t'es... Ah ouais, tu fais ça tout en haut de la tour, en fait. Ouais, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Oh, oh ! Tiens, la fleur. Et l'ADN. Ah, bah super, je te conseille. Alors, toi, je sais que t'es pas très bon en... En truc. Donc, tu vas faire un joli bond. Hop là, et je te mets un bloc de slime, d'accord ? Ok, vas-y, c'est parti. Allez, comme ça, tu descends. Attends, je t'agrandis le bloc, alors à tout moment, tu meurs. Hein. Vas-y, et tu fais la... Il risque d'avoir une toute petite explosion, de rien du tout. Allez, vas-y, c'est parti. Tu fais rapidement la potion avant que ça libère, ok ? Allez. Ok, vas-y. Moi, je saute. Ok, let's go. Ok, par contre, il se passe des dingueries là-haut. C'est Enzo, t'inquiète, il est en train de faire la potion. Waouh. Attends, mais... Il y a des espèces de météorites, wesh, what? je sais, c'est des rocket launchers, je vais vite aller, wouh! C'est bon, Enzo? Oui, c'est bon. Allez, vas-y. Oh, le voilà avec la potion, c'est ça la potion? Ouais, fonce. Et t'es sûr qu'elle va fonctionner, hein? Bah, on espère, hein, écoute, hein. Ok, c'est parti. Bon, du coup, il y a quelqu'un qui casse les vitres et il y en a un qui ouvre grand sa bouche et moi je jette la potion dans la bouche, ok? Je vais Vas-y, sûr que tu vas bien. Enzo, vas-y, passe-moi la potion. C'est moi, je vais jeter la potion. Non, mais. Jeter la potion sur son ventre. Dans sa bouche. Dans sa bouche, faut que tu jettes dans sa bouche, bien dans sa bouche. Cette fois, tu m'auras pas avec Gélan. Vas-y, jette-lui. Vas-y. Et paf, c'est bon, je l'ai jeté. C'est bon? Non, moi. Attends. Moi, je crois qu'elle est redevenue. Elle est redevenue toute petite. Regardez, les amis, elle est toute petite ici. Yes. Toi, je vais t'attraper, toi. Elle est petite, mais un peu méchante, hein. Ouais, alors je sais pas pourquoi Chase il est parti tout en bas, il est complètement débile. Bon, du coup, ça dit qu'Enzo, on les laisse ici et nous, on se taille. Ouais, mais avant, je vais juste laisser un petit message. Et voilà, est-ce que j'arrive à la viser? Allez, vas-y, on se je l'ai eu. Trop bien. Oh, Kissimissi, avec des Doritos. Non, me dis pas que tu vas tout manger. Oh, tu fais caca et tu passes à Huggy Wuggy. C'est dégueulasse. Abonne-toi ou Kissimissi va faire caca dans ton assiette. Abonne-toi si tu veux pas manger le caca de Kissimissi.